La Brige. Maquette entièrement réalisée en bois, coque à bouchin à vif, échelle au 1/7, d'après un plan de Jean-Claude Chazarin, plan MRB, bateau, le Juliette. C'est un voilier à fond plat avec une dérive centrale pivotante pour faciliter l'échouage. Construction en pierre de cédar pour les superstructures, macreux en pin, voile en tergale de 90 g au mètre carré, poulie maison en acajou. La dérive est réalisée avec une feuille de plomb de 1 kg. La Brige mesure 1 mètre pour 5 kg de déplacement. Équipée d'une radio 2 voies, treuil Ritech pour les voiles, éclairage LED pour l'intérieur et les feux de position. C'est un bateau agréable à construire comme à piloter. La Brige comme le Juliette sont considérés comme des charpies. Un charpie est un bateau ostréicole de la fin du 19e siècle originaire du Connecticut, de New Haven, importé en France vers 1863. Ils ont une forme inspirée des canots à fond plat utilisés comme embarcation annexe sur les navires de l'époque, comme les Doris utilisés par les morutiers mais qui, eux, sont pointus à l'avant et à l'arrière. Ils ont été ainsi nommés à cause de la forme de leur coque longue et effilée, sharp en anglais. Ils ne nécessitent qu'une seule personne pour les équiper. Les charpies servaient au chargement et déchargement des vaisseaux de transport qui ne pouvaient pas accoster et aux activités ostréicoles. Ils naviguaient à la voile et à l'aviron, étaient équipés d'une dérive centrale et d'un ou deux mâts selon la tâche ou la météo. Étant donné que les pêcheurs d'huîtres avaient besoin d'un bateau solide et relativement rapide, la conception du charpie s'est avérée être le type de bateau idéal pour ramasser les huîtres. Une fois que les charpies ont été introduits dans la région de Floride vers 1881, le bateau aigret charpie est apparu.